Bonjour amis internautes, vous faites bien de nous suivre à Ovaja TV. Aujourd'hui nous sommes là dans le cadre des reportages pour comprendre un tant soit peu la hausse des prix des produits vivriers et particulièrement de la banane plantain sur le marché. À présent, allons-y pour recueillir des avis des consommateurs et des vendeuses sur le marché. La banane est tellement chère, il coûte 25 000 francs le sac, le régime à 3, le régime à 5 000, et puis les grains sont petits, c'est pas formé, donc je n'ai pas pu acheter, suivez-le. Ça c'est banane à 300, ça c'est 300, tu vas pas de 1000 francs, ça c'est 500. Ce temps là c'est 2000. Tout est devenu cher, on ne sait pas comment on fait pour manger mon fils. On a faim, il n'y a pas mari, les enfants sont beaucoup. On fait comment? Je m'appelle Béatrice. Je suis vendeur de bananes sur le marché de Niagou à gauche. Présentez-vous s'il vous plaît. Je m'appelle Atawa Pauline. Ce banane que j'ai payé là, au marché là, c'est 1000 francs. Avant on ne payait pas banane comme ça là, 1000 francs. Si c'est trop là, c'est 300. Mais maintenant là, on paye banane 1000 francs. Banane 1000 francs là. Tout le monde à la maison, là, ça ne peut pas suffire tout le monde à la maison. Comment c'est un peu dur. Les choses sont un peu chères. Parce que les femmes là disent qu'elles paient ça cher. Donc elles sont obligées de faire ça un peu cher pour pouvoir enlever leur argent dedans. Donc c'est un peu dur. Que vraiment, les gens n'ont qu'à diminuer les choses un peu. Parce que ce n'est pas nous tous, on a l'argent. Parce que nous, on a comme ça, nous, on mange tout, tous les jours. Donc vraiment, ils n'ont qu'à diminuer les choses. Tu fais 4 à 500. 4 à petit bébé là. 4 à 300. Bébé, on a poussé aujourd'hui là. Ça là, 200. On ne gagne pas. Moi, je suis là, j'y ai fait. Je ne sais pas, j'y ai fait comment pour manger. Il n'y en a pas. Banane là, il n'y en a pas. Donc, à cause de ça, nous, on fait comme ça. Ce n'est pas nous. Les gens qui donnent là-bas, avant, là, on donne ça à 5 000. Ça que là tu as vu, non? Niveau grain là. C'est ça, là, nous les femmes qui vendent banane là, on appelle niveau grain. Niveau grain là, c'est avant là, c'est 5 000. Mais actuellement là, c'est 25 000 francs, on prend. Si tu as pris 25 000 francs, tu as placé comment? Tu as gagné ton argent là, avant que pour manger. Depuis matin là, je n'ai pas encore mangé. J'ai en train de penser, j'ai fait comment? La femme qui m'a donné banane 25 000 francs là, l'argent là, ça a sorti. Voilà le problème là. Voilà, c'est ça qui est là. Non, on m'appelle Suzanne. Voilà. Et puis, pour le DM. Moi, c'est depuis 85 que je vendais banane. Avant, on plaçait banane, elle était à 1000 francs. Le sac, ça coûte 3000. Mais actuellement, le sac qui est dans ma main, là, c'est 35 000 francs. J'ai pris ça hier. Je vais placer comment? L'argent ne peut pas sortir. Ça ne va pas. Quelqu'un donne 2000 francs à une femme pour venir. Elle va payer un tas de banane à 1000 francs. Combien qui va la réserver pour payer ça? Il n'y en a pas. Là, vraiment, banane même là, ce n'est pas nous qui faisons sa chair. Mais ceux qui envoient aussi, elles font sa chair. En Bourse aussi, on dit les femmes, ça sent à l'intérieur. Au Mali, Burkina, partout. C'est ça. C'est ça qui fait maintenant Côte d'Ivoire, il y a famille. Là, ce n'est pas de notre faute. On n'a qu'à voir ces cas-là. On n'a qu'à arrêter pour que nous aussi, on mange, on remplit. Ça a rempli ici. Banane est chère. Banane, on ne peut rien payer sur le marché. Banane est chère. Banane 500, il est payé, ça est dans le panier là. Manioc 200. Tout est cher sur le marché. On ne peut rien payer. Donc, si le président fait quelque chose pour les femmes, on sera heureux. Donc, je m'appelle Kadiomou Valentine. Ça fait 15 ans que je vends la loco à la locodome de Niango. Et aujourd'hui, à cause de la cherté du pays, ça là,
Avant, on payait à 3 000. Mais aujourd'hui, j'ai payé ça à 8 500. L'état de 3 5, ça, c'était 50. Aujourd'hui, on paye à 300. Donc, vous voyez. Alors que les clients, quand tu dis, il n'y a pas de banane, on te fait le plat à 500, tu dis, c'est importé. Mais nous, on fait comment? Si l'État veut nous aider, qu'il nous aide vraiment. Internet de Vaja Média, ici, point fin, cette enquête. Nous vous disons au revoir et à bientôt pour une nouvelle enquête.